Bonjour tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et une très grosse mise à jour. Fallait que je... De un, c'est un peu normal que je fais une vidéo parce que ça fait une petite bout que quelques jours que je n'ai pas fait. Désolé parce que tout simplement j'avais des affaires à faire et je n'avais pas le temps de faire de vidéo ou encore de montage. Aujourd'hui, c'est spécial parce qu'il va y avoir deux vidéos. Du moins, une aujourd'hui, à la limite plutôt, une aujourd'hui puis une demain. Tout simplement parce que cette vidéo n'est pas prévue. Vu que cette vidéo n'est pas prévue, alors deux vidéos seront nécessaires. J'ai fait exprès d'attendre de faire la vidéo avec vous. Parce que vous savez ça. J'avais remarqué ça à un moment donné, le mois passé. Avant qu'il y ait des vidéos sur ça. Puis, il y a une nouvelle mise à jour. Voguez vers un nouveau monde. Lancez-vous dans une nouvelle aventure et traversez l'océan pour découvrir la base des ouvriers. Construisez une nouvelle base avec des troupes spéciales, d'autres bâtiments et plus. Réparez votre bateau pour embarquer. En gros, c'est un peu comme le château clan. Vous savez, le château clan, au début, il faut que vous le réparez pour pouvoir l'utiliser. C'est la même affaire. Mesurez-vous à vos adversaires avec le nouveau mode duel. Ok. Battez-vous en face à face avec de nouvelles armes, un nouveau mode de jeu et un classement spécifique. Entraînez des troupes dotées de capacités spéciales comme le voile des archers furtifs. Maîtrisez un nouveau héros et sa capacité réutilisable. Un peu comme le roi, la reine et le grand gardien. Nouveau bâtiment, trésor et surprise. Piégez vos adversaires avec des défenses imprévisibles comme le broyeur ou le piège à pousser. Accédez la production à votre base avec la mine de gemmes. Hein? Et la tour de l'horloge, une mine de gemmes? En sérieux? Oh! L'équipe équipez votre village d'origine avec des améliorations exclusives. Mise à jour d'équilibrage de mai 2017. Niveau supplémentaire pour les sorts de guérison. Ok. De gel et de clonage. Ok. Septième mine d'or et extracteur d'élixir. Disponible à l'hôtel de ville de niveau 9. Oh, pas sérieux. Autre changement et réduction. Oh, pas sérieux. Fallait que je sois au hôtel de ville niveau 10. Pour qu'il change à l'hôtel de ville niveau 9. Fuck. Mais mon second village, je vais pouvoir l'utiliser. Ils ont changé ça. Bon, pourquoi je m'en vais là, je sais pas pourquoi. Ressources. Oh, j'ai une nouvelle foreuse. Oh, ouais. J'ai une nouvelle foreuse d'élixir noir. C'est bien. Que des nouveautés. Que des nouveautés. Ça, c'est bien normal. Armée du nouveau. C'est bien normal parce que... J'espère que ça coûtera pas trop cher. C'est gratuit! C'est parce que c'est nouveau que c'est gratuit.
Ce bateau vous permet de visiter de nouveaux endroits réparés. En plus, quelques secondes! Yes! Chef! Notre bateau et notre équipage sont prêts à parier. J'aime la cinématique quand même. N'ayez pas peur de vous perdre. Nous nous souviendrons du chemin. Ok. Ah ouais, juste pour vous dire, vous savez. Ici, j'ai changé le logo. Il y a eu une nouvelle version, une mise à jour de l'application que j'utilise. Puis, j'ai changé le logo. J'ai pris le logo de ma chaîne. Voyager. Mais avant, j'avais fort information. Ok, c'est juste ça. C'est pas grave si on se perd, ça continue. Avec un petit lag. Terre en vue! Quel est donc cet étrange endroit? Chef! Nous avons de la chance. Nous pouvons réparer ces vieux bâtiments et nous y abriter. Wouh! J'aime ça. Ok. 3 500 $. Oh, on recommence du début. Oh, intéressant. Installons-nous ici pour la nuit. C'est comme un second chez nous. On a déjà 4 barbares. On n'a pas le chauffeur de cochon. Des vidéos. Du grand. Hein? Oh! Des visiteurs! Hourra! Oh! D'où est-ce que vous sortez? Cet endroit, vous l'avez complètement nettoyé. Vous avez carrément mérité une visite. Il aurait pu faire ça. Changer le mot. Je suis un maître ouvrier. Vous voulez voir mon bâtiment favori? Préféré? Moi, j'aime mieux dire ça. Il donne des capacités spéciales aux troupes. Recherche. Barbare. Avez-vous vu le barbare? Avantage de l'amélioration permet de débloquer la capacité spéciale rage. Ok. Un peu comme le cochon. Un peu comme le roi des barbares, mais cette fois-ci en troupe. La vitesse et les dégâts sont augmentés pendant les 4 premières secondes. Intéressant. Mais comme que vous savez, moi je ne fais. Je n'utilise pas des gemmes. Mais c'est intéressant. Qui aurait imaginé ça? Un deuxième village a commencé? Oh, c'est quoi l'unité de cette monnaie? Bien sûr! Il vous faut les troupes pour déterminer qui est le meilleur constructeur. Est-ce qu'on va se battre, chef, vous? Chef, vos compétences pourraient s'avérer utiles. J'espère, ça fait 3 ans que je joue, 3 ans et demi que je joue à ça. Vraiment. Si vous vous battez aussi bien que vous faites le ménage, on devrait faire une bonne équipe. Trouver. La différence que je remarque là, tu as vu le canon, un double canon. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est la nuit.
Oh, il s'est fait propulser plus loin. Oh, intéressant. Il s'est pas fait éjecter de du décor, c'est juste fait tasser. Puis la musique est différente. Oh, wow. Votre attaque dégâts total 100%. C'est évident ce cercle. Oh non! Il nous attaque aussi! Oh, fou. Voilà comment on règle ses affaires. La meilleure attaque remporte la partie et pas de vol. C'est vulgaire. Chef, votre attaque a été la meilleure. Nous avons reçu le butin en récompense. Oh mon Dieu! Oh, quel! Ce qui veut dire, si on attaque quelqu'un, l'autre personne doit nous attaquer, puis ils prennent la meilleure attaque des deux. Ah, intéressant. 50 trophées! Oh wow! Rentrez. Hourra! J'ai plein d'idées de construction, regardez mes listes de souhaits. J'ai toujours des idées, mais vous, vous y connaissez, vous devriez choisir. Maison des ouvriers. Ah, ça coûte de l'argent et non des gemmes. Intéressant. Caserne des ouvriers. Laboratoire astral. C'est ça. Excellent! Maintenant vous. Excellent! Maintenant nous sommes une rééquipe. Je pourrais peut-être visiter votre. Chez vous un jour. Chef! On dirait qu'il y a plein de choses à faire par ici. Mais n'oubliez pas de nous occuper de notre village. Intéressant quand même. Oh, il y en a qui sont déjà à 1000. Allons voir. Niveau 5. Là, ça va des roches. On va rusher. On va essayer d'être dans les meilleurs assez rapidement. Au lieu de tarder. Mais c'est intéressant quand même. Les ressources, c'est quoi? Un peu. Armée, ça prend ça. Mais c'est quoi cette ressource-là? J'en ai absolument aucune idée. Extracteur d'élixir. Mine d'or. Ok, c'est la même affaire. Mais d'une forme différente. C'est intéressant quand même. J'avoue, là. C'est très intéressant. 12 000, faudra attaquer, ça c'est sûr. Un canon pour lui se défendre. Comprends pas. Ah, ça coûte trop cher. Ok, c'est un piège à pousser. Oh, ok, on va. Rempart, canon. Canon double. Double canon plutôt. Tour d'archer, piège à pousser. Tour de Tesla, ça change pas. Pédard. Défense aérienne. Broyeur. Piège de ressort. On voit qu'ils ont pris des bâtiments pour l'endancer. Une mine. Poste de garde. Ok. Bombe aérienne. Méga mine. Multimortier. Rotisseur. Rotisseur plutôt. Ok. Canon géant. Méga Tesla. Méga Tesla, c'est l'équivalent tour de l'enfer, je te gâche. Je sais pas. Je sais pas.
Mais c'est plate, les gemmes par contre, elles restent la même. Ils nous donnent pas deux façons d'avoir d'accumuler les gemmes. Comme ça, je suis riche quand même. Mais là, pas une question de richesse. Bon, on va attaquer. Et voilà. 100% déjà facile. C'est pas pire. Je sens que je veux bien m'amuser. Puis je veux m'avancer pas mal. Puis je vais essayer de faire peut-être des vidéos de Clash of Clans un peu plus régulièrement. Et oui. Je vais essayer de le faire ça plus régulièrement. Une ou deux fois par mois si j'ai le temps. Une fois par mois, ça c'est ça. Mais deux si j'ai le temps. C'est très intéressant. Ou je trouve ça change rien. Et 100%. Moi, l'avantage, c'est que j'ai 100%, 100%. Ça change absolument rien. Trouver. Ok, ils sont au niveau 2. Sur un passage automatique. J'en ai aucune idée, honnêtement. On va attaquer ce nouveau mode de jeu complètement. Similaire, mais différent maintenant. Puis nous sommes la nuit. Je trouve ça très intéressant, honnêtement, là. Le concept du jeu, très intéressant. On va retourner à notre base, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, c'est pour ça qu'on va retourner à notre base. On va pouvoir se faire plus d'élixir noir assez plus rapidement. Yeah! Pour moi, c'est comme un tutoriel encore celle-là. Sûrement. Plein. Il est automatique, on dirait. C'est bien, on n'a pas à se casser la tête. On a combien en maximum? 75 000, ok. Production par heure 1000. So, on va améliorer ça. C'est sérieux. Ok. On est au niveau 2, ça coûte 3. Ça coûte cher. Il y a une affaire que je vais faire. Je vais essayer d'avancer le plus vite possible. S'il faut, je vais faire comme Dane of Gods. S'il faut. Allez! C'est moi qui vais perdre des trophées parce que j'ai raté mon attaque. 50%. Mais c'est intéressant quand même. C'est très intéressant, 15%. Moins trophée, c'est pas super, au moins. Il est intéressant le concept quand même. Très intéressant. J'aime bien le concept. J'aime bien ça. Ah! Je peux améliorer ça. Parfait, ça. Non! Une chance, c'est quelques minutes. On va se dépêcher à. Non, une décoration. Qu'est-ce qu'une décoration? On peut même être décapé.
Bon, on est au niveau 2. Modèle nouvelle génération. Studio tout. Ah non, ils ont vraiment ajouté. Ah ouais. Je vais lire toutes les missions par la suite. Attaquons. Ouais. Désolé. Bon, là c'est 100% facile. Parce que je cherche mon chercheur. Même si, bon, peu importe. T'as un jeu 5% de toute façon. Hop. Ça c'est 100%. Hein. 11 qu'on n'a pas trop le contrôle des troupes. À moins que c'est encore dans le tutoriel puis on n'a pas encore le 100% total. On n'a pas le 100. Bon. À moins qu'on n'a pas. Faut attendre qu'on ait le troisième pour voir. Oh. On va finir le troisième pour voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Je suis bleu. Ah, oh, je suis obligé de l'attaquer. Fuck. Je vais perdre ce combat-là. En puissant quand même les canons. Ça, je m'en doute un peu. En puissant ces canons-là. Quand même. C'est ça, j'ai perdu le combat. Encore. Et je vais tomber à 78. Si je pourrais avoir des archers à la place. Oh! Ok. Surprenant. Ça prend plus de temps par contre. Ou c'est le total douteux là, que j'aurais perdu. Je m'en doutais. C'est vraiment un mode de jeu complètement différent avec. Il faut s'adapter. Je sais pas si je. À date, j'aime bien ça quand même. À date. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être quand même pas facile. Ah oui. Juste comme ça. Alors non. Comment sont tout. Ok, ça c'est un rempart ça. Ils sont sérieux? C'est un rempart ça. Soit surprenant quand même. Mais c'est trop. Je trouve ça quand même assez cubique. Un tout petit peu. Ça c'est cubique, ça c'est cubique. C'est quand même assez cubique, un peu. Un peu plus qu'avant. On voit, ça on dirait plus cubique. Surprenant quand même. Je veux savoir les formations. Il faut avoir 12 000. Ok. Prêt à attaquer. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que j'ai bien fait de prendre les archers. Ah, j'ai un barbare.
déjà que je commence à prévoir une nouvelle stratégie. Vous voyez la stratégie? Oh, j'ai gagné en plus. Il a fait 0. Oh, 0 trophée, 30 trophées. Yeah. Moi je comprends plus rien. Ok, on a choisi ça de un ou de l'autre. Eh ben. C'est vraiment différent de. Machine à combat. Coûte cher. Tour de l'horlogerie. Non, c'est ça. Tour de l'horloge. Ça va être plus tard. Mine de gemmes. Ce sera très intéressant, ça. Ça coûte. Devez améliorer votre maison de nu des ouvriers au niveau 3. Ok, c'est une maison des ouvriers. Mais ça coûte quand même 100 000. 120 000. C'est cher. Ça coûte 30 000. Vieille statue barbare. Mille pour supprimer. Tout coûte plus cher par contre, c'est. Tout coûte plus cher. On peut pas le supprimer, probablement faut attendre le prochain niveau. Niveau 4. Niveau 5. 3, 4, 5. Meilleur clan. Coûte combien? C'est quoi le château clan? Ou c'est le même clan? C'est peut-être juste les mêmes clans? Je sais pas. Si c'est pas les mêmes clans, où sont le château clan? C'est ça? Tour de l'horloge, la tour de l'horloge, accélère ce qui se passe dans votre village. Récupérez des ressources, formez, recherchez et construisez plus vite. Ok. Ça, on s'en doute un peu. Mine de gemmes, les mines de gemmes exploitent un filon de ces précieuses ressources. Le processus d'extraction des gemmes est lent et difficile. Ce qui veut dire on va pouvoir faire des gemmes, mais je suis sûr, certain 100%, qu'on va devoir utiliser des gemmes par la suite. Je suis sûr, certain 100%. C'est incroyable comment ça coûte cher. Ok. Ah, c'est fucké. Je comprends plus rien. Je comprends pas trop la mécanique. Honnêtement, je comprends pas trop la mécanique de ça. C'est ça, je l'explorerai par moi-même entre-temps. Prochaine vidéo. J'ai prévu une petite vidéo serveur. On va jouer un petit jeu qui se nomme Vampire. Qui est dans le Fantabob World. Et oui, ça va être ça que je. La prochaine vidéo, tout simplement pas Clash of Clans, mais la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo Clash of Clans, par contre, on a deux villages à s'occuper maintenant. Oh, deux villages à s'occuper maintenant.
C'est pas impossible, ça. J'ai essayé quand même. Bon, au moins j'ai une étoile. L'important, c'est que j'ai une étoile. Votre attaque. C'est pas une victoire. On sait pas si c'est une victoire, une défaite ou une nulle. Ce qui veut dire une victoire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on gagne tout. Pfff. Affreux. Une défaite. On va jouer stratégie tout de suite. Oh, tout de suite, jouer stratégique que ça. Améliorer ça, non, tomber fucké. C'est intéressant, hein, quand même. On va jouer stratégique, vraiment. Demain, je peux pas supprimer ça. Bon, je vais essayer de. C'est ça, faut. Ça coûte cher, ça. Nouveau mode de jeu, on va se laisser avant sur l'autre village, mon village principal. Puis ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et cette mise à jour. Quand même assez surprenant et impressionnant. Donc j'ai hâte de continuer ça, cette aventure avec vous. Ce qui est sûr dans tout ça, là. C'est pas fini Clash of Clans. Clash of Clans n'est absolument pas fini. Clash of Clans fait que commencer. Au contraire, ça fait quand même plus de 50 vidéos que j'ai sur Clash of Clans, qui est la série principale de ma chaîne. Cette nouvelle mise à jour, vraiment, ça va donner une autre perspective de Clash of Clans, vraiment. Puis ça va revenir encore en plus grand nombre, probablement. J'aime ça. Ça va revenir encore plus populaire que c'était avant. Quand ils disent, là, ils disaient la plus grosse mise à jour de l'histoire de Clash of Clans. La plus grosse mise à jour de l'histoire de Clash of Clans, c'était avec l'hôtel de ville niveau 11. En voyant ça, oui, c'est la plus grosse mise à jour de l'histoire de Clash of Clans, celle-là. La deuxième, c'est l'hôtel de ville numéro 11. Mais celle-là, c'est la plus grosse mise à jour. Quand je dis qu'elle est plus grosse, c'est vrai là qu'elle est grosse cette mise à jour-là. C'est comme un deuxième Clash of Clans totalement, là. Là, on parle de deuxième Clash of Clans. C'est vrai que c'est une grosse mise à jour. Qui l'aurait cru? Ah! Au moins, on peut monter encore peut-être un peu plus vite en niveau. Je suis au niveau 116! Bon, on va retourner par contre. Ah! Ok, on a juste à faire ça. On est de retour sur le. Mon ancien village. Pour ce fait, je vais quand même faire une dernière attaque. Mais cette fois-ci en village normal. Que je suis donc je suis en Master 1. Y a-t-il des ligues? Un peu. Ah, ah ok. C'est juste la première fois qu'il faut faire ça. Après ça, on a juste à cliquer dessus. Peser dessus, puis ça le fait automatiquement. Intéressant. Je pense qu'il n'y a pas encore de ligue, mais qu'il va y avoir peut-être dans une future mise à jour. Attends un peu, j'ai remarqué quelque chose. Bateau des ouvriers. Le maître ouvrier peut visiter votre village et fournir des améliorations spéciales à vos bâtiments. Cherchez l'option équipée dans les défenses de votre village. Ok. Oh shit.
Est-ce que vous avez vu ça? Oh, wow. Oh. Ils ont changé un peu vraiment ça. La couleur est différente. On voit que aussi ça, c'est différent. On va vraiment faire des gros, une grosse mise à jour. Mais juste avant, je vais voir où qu'on peut équiper quelque chose. Ah ouais, en passant, il me reste juste ça à améliorer, hein. Ah! Ça va être fatigant par contre. Ça par contre, ça va être fatigant. Où qu'on peut équiper ça? Au canon! Transformer ce canon en double canon infusion. Wow! Ok, il faut que l'autre boss soit. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Hey, allons voir pour le fun. Ça va peut-être plus long que d'habitude, mais je m'en fous totalement. Ça vaut la peine aujourd'hui. Canon niveau 14. Doublé ou non? C'est-tu doublé ou non? Oh mon dieu. Probablement le mortier aussi va pouvoir être équipé. Améliorer d'abord ce bâtiment au niveau 8, ok. Pourquoi je me disais ça? Parce que l'autre côté, je me fais de l'autre côté. Probablement. Ok, non. J'aime bien cette mise à jour là. J'aime beaucoup cette mise à jour. Nouveau. Ça, faudra que je me concentre sur ça. Ça, c'est pas grave. Je vais me concentrer sur ça. Améliorer au maximum. Comme ça, je vais monter encore plus vite en élixir noir. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Et n'oubliez pas, soit aujourd'hui ou demain, il va y avoir. Une nouvelle vidéo serveur. Alors pour ça, je dis merci à tous. Il faudra vraiment que je m'habitue. C'est quoi leur problème? Je comprends pas c'est quoi le problème là. Il attaque là, il a jamais attaqué là avant. Faut pas qu'on change, qu'on fasse ça comme mise à jour. Ça par contre, je serais déçu. Si ils ont vraiment fait ça comme mise à jour, là, je suis déçu. C'est sûr que je n'ai pas deux étoiles, mais je m'en fous, je gaspille toutes mes troupes. Parce que c'est comme cela. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.